musique. Est-ce que tu peux te donner mon acclamé pour ça, le Seigneur? Yeah! Yeah! Ha ha! Yeah! Yeah! Plus que ça! Plus que ça! Plus que ça! Woo! Yeah! Merci, public! Voilà! Alors, téléspectateurs, vous l'avez remarqué, nous sommes encore là pour l'édification du corps du Christ. Nous sommes tout chaud, tout flamme. Nous sommes tout chaud, bouillant pour la gloire de Dieu. Mais permettez-moi de vous dire que je ne suis pas seul. Et bien avant de présenter l'équipe avec laquelle, ou du moins le public avec lequel je vais travailler aujourd'hui, je vous demande de vous asseoir. Oui, veuillez vous asseoir, téléspectateurs. Et vous aussi, public, prenez place, voilà. Parce que les choses doivent être dans l'ordre et la discipline. Tel le royaume des cieux. Et voilà. Alors, téléspectateurs, je vais vous inviter, oui, à découvrir le public aussi dynamique que chaleureux avec lequel nous allons faire cette belle traversée en louange et en adoration. Celui-là, c'est le peuple de l'église First Community de Yopougon. Le voici. Yeah. 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 First Community. Voilà. Merci. 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 Voilà. Vous êtes dynamique. Vous êtes dynamique. Merci. Merci de bien vouloir vous asseoir. Voilà. Alors, téléspectateurs, oui, vous l'avez remarqué, First Community est ainsi parce que notre Dieu a donné la vision à son serviteur et lui, il a inculqué à ce peuple. C'est la raison pour laquelle vous pouvez le constater. Ils sont chauds. Ils sont chauds parce qu'à leur tête, celui que je m'en vais vous présenter est plus que chaud. L'Éternel lui a dit, si tu n'es ni chaud, ni froid, je te vomirai. Et là, lui, il a décidé d'être chaud pour la gloire de Dieu. Je vous prie de saluer avec une standing ovation le pasteur Magloire Diagoné. Le pasteur Magloire Diagoné. Yeah. 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 Gloire à Dieu. C'est ça. Merci. Là. Yeah. Merci public. Oui, merci. Merci, merci public. Merci. Merci de bien vouloir prendre place, s'il vous plaît. Alors, téléspectateurs, tu as remarqué que c'est bon de célébrer le Seigneur. C'est bon de servir Dieu. Oui, il faut le servir. Il faut le servir de tout ce qu'il t'a donné. Il n'y a rien de meilleur que de le servir. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà. Nous sommes venus parler aussi musique. Ouais. Nous sommes venus parler célébration. C'est la raison pour laquelle, après les civilités, je vais t'envoyer maintenant danser. Je vais t'envoyer célébrer. Et pour ouvrir les hostilités, nous avons une formation musicale composée de deux personnes. Je te prie de recevoir maintenant cette formation musicale. Ouais. Et c'est tout simplement Fille de Dieu. Fille de Dieu. Maman tient de bénédiction. Alléluia. Allons-y partout, annoncer la bonne nouvelle de Dieu. Allons-y partout, annoncer la bonne nouvelle de Dieu. Jésus est vivant, il est vraiment vivant. Jésus est vivant, il est vraiment vivant. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus, il est puissant, agréable et amour.
grâce de Dieu, son amour en moi demeure jamais et sa présence en moi demeure toujours. C'est Jésus, je suis amoureuse de Jésus, je suis amoureuse, il est mon sauveur. Maman Cocora Déborah, femme de feu, mage de gloire en gloire. Allons-y partout, annoncez la bonne nouvelle. Allons-y partout, annoncez la bonne nouvelle. Jésus est vivant, il est vraiment vivant. Jésus est vivant, il est vraiment vivant. Alléluia, 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 alléluia. Il est mon sauveur, mort sur la croix pour nos péchés. Trois jours après son enterrement, Jésus-Christ est ressuscité. Il est sorti du tombeau à Golgotha. Jésus a vaincu la mort. Il est le Dieu des dieux, le roi des rois, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Jésus est le véritable Dieu. Mon frère, rien ne sert de courir le marabout et le féticheur. Jésus-Christ, ta fissa, à ta fissa. Il est mon papa. Allez, Misa. Jésus est mon papa. Il est mon papa. Il a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Dans lui ta vie, tu seras sauvé. Dans lui ta vie, tu seras béni, élevé, glorifié, transformé. Prophète Michael Coré, homme de révélation numéro 1. Missionnaire Irian Desson, que Dieu vous bénisse. Ma soeur Télé, ma Cachille, reste béni. Jésus, hey, célèbre le nom de Jésus. Célèbre le nom de Jésus. Papa, tu te reconnais. Et tu nous gardes pour les tu restes avec nous. Alléluia. Pour toujours. Jésus peut faire des choses qui dépasseront ton entendement. Là où foulera ton pied, tu le prends en possession. Et tout homme forgé contre toi sera sans effet. Papa Cocora le béni. Homme de la parole, annonce toujours. Ah ah. Maintenant tu vas marquer les pas. Tu vas marquer ton territoire pour ne pas que l'ennemi ait accès à ta vie. Comme ça. À marquer les pas, à marquer les pas, à marquer les pas, à marquer les pas. Tu vas faire un quart de tour à droite. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. À marquer les pas, 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 à marquer les pas. Tu vas faire un autre quart de tour à gauche. De luxe, que Dieu vous bénisse. Alors là, c'est Jésus qui est bon. Hey, Jésus, ça vient à nous. Reste Jésus, toujours béni. Jésus, prie avec moi. Jésus est le Dieu des dieux. Allons-y partout, annoncer la bonne nouvelle. Tout le monde est loué. Allons-y partout, annoncer la bonne nouvelle. Jésus est vivant, il est vraiment vivant. Jésus est vivant. Yeah! 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 Téléspectateurs et très cher public! Ouais! Les couleurs s'annoncent très belles, chaudes d'ailleurs! Vous l'avez remarqué, c'est balade en Éden! Voilà, merci! Merci à vous! Merci! Alors, si vous venez d'arriver, téléspectateurs, permettez-moi de vous dire que vous suivez Balade en Éden! La plateforme qui valorise les arts chrétiens d'ici et d'ailleurs. Et aujourd'hui, oui, nous avons un numéro glorieux, un numéro puissant, un numéro vivant, parce que l'Éternel est glorifié. Et quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on nous en dit? Quand c'est bon, c'est! Quand l'Éternel est glorifié, c'est! Yeah! Voilà, merci. Alors, téléspectateurs, ouais. Continue de nous suivre. Tu as choisi la bonne part. Parce que maintenant, le meilleur reste à venir. Oui, le meilleur reste à venir. Et ici, le public est tellement chaud, ouais, il est tellement chaud que je vais vous inviter à vous allier à lui et à célébrer le Seigneur. Parce que maintenant, ouais, maintenant, je vais vous envoyer une formation musicale composée de deux jeunes gens et avec eux,
C'est un autre registre auquel on aura droit. C'est du zouk, le gospel. Ils sont bons. Ouais, je dis ils sont bons parce que très à plénitude de l'esprit. Oui, par la plénitude de l'esprit de Dieu, je vous prie de recevoir celle de vie. Celle de vie. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre la foi aux pécheurs. Psaume 25, verset 8. Seigneur Jésus, tu peux tout faire, oh. Dans ma vie, tu peux tout faire, oh. On a vu des gens qui étaient faibles, que tu as rendu très fort. Des insensés que tu as rendu très sages. On a vu des gens qui souffraient, qui se sont en sortie. Mon Dieu, c'est ta grâce. Moi je veux te suivre, mais je n'ai pas de force. Je veux t'adorer, mais je manque de sagesse, oh. Moi je veux te louer, mais je ne suis pas intelligent, oh. Mon Dieu, sois mon guide, oh. Tata e yomi tata e yomi tata. Yomi tata, yomi tata. Je suis orphelin, yomi tata, yomi tata. Tata, yomi tata, yomi tata. Tata, yomi tata, yomi tata. Il y a une chose qui est certaine. Dans ce monde, l'homme n'est pas maître de son chemin. Toi-même tu l'as dit que sans toi nous ne sommes rien, oh. Mon Dieu, je crois en ta parole. Après la mort, éternel des armées, ne me laisse pas me perdre. Moi je veux te suivre, mais je n'ai pas de force. Je veux t'adorer, mais je manque de sagesse. Moi je veux te louer, mais je ne suis pas intelligent. Mon Dieu, sois mon guide. Ta ta ta, yomi ta e. C'est First Community, c'est... Yeah! Merci public de vous ovationner très fortement. Voilà. Merci. Alors, très chers téléspectateurs, et ici, mon public, je vais saisir cette transition pour vous inviter avec moi à aller nous ressourcer au pied du maître. Oui, pour vous qui avez pris l'habitude de nous suivre, vous savez de quoi est-ce qu'il s'agit, parce que c'est tout simplement la parole glorieuse. Diden. Shalom à tous, je suis le pasteur Magloire Diagoné. Shalom à tous les téléspectateurs de Béni TV. Nous voulons dire merci à Dieu pour l'opportunité que Béni TV nous donne, plus particulièrement de l'émission Balade en Éden. Nous voulons donc dire merci au Seigneur pour cette opportunité. Nous voulons dans un premier temps saluer tous les pères, ceux qui nous ont précédés dans l'annonce de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth.
Nous voulons les bénir. Je veux dire merci particulièrement à mon père, à moi, celui qui m'a engendré dans la foi, révérend apôtre Fassio Frédéric. Je veux également dire merci au docteur Harry Feff pour tout le chemin que nous avons parcouru. Nous tentons de les suivre sur leurs traces. Nous voulons leur dire merci pour tout ce qu'ils nous ont appris au passage. Je pense que cet évangile de Jésus, il le prêche mieux que nous. Nous tentons de les copier. C'est pour cela que, n'est-ce pas, dans cette rubrique de paroles glorieuses, nous ne tenterons pas de prêcher l'évangile. Nos pères l'ont prêché avant nous. Nous tentons de copier, n'est-ce pas, ce qu'ils ont déjà prêché. Nous voulons les saluer tout simplement, ces pères-là. Nous voulons bénir Dieu pour leur vie. Au-delà des personnes que j'ai citées, il y a d'autres pères. Ce sont des pères de la nation que nous respectons, qui nous ont dévancés dans la prédication de l'évangile de Jésus. Nous voulons leur dire vraiment merci pour tout ce qu'ils ont fait, pour tout le travail abattu avant nous. Nous voulons vraiment les célébrer, ces pères-là, les honorer. Que Dieu les bénisse davantage, que le Seigneur soit avec eux. Je veux simplement dire que nous essayons à prêcher l'évangile ici à First Community, situé au Maroc, Tikenga, derrière le marché, n'est-ce pas, Charmel. Nous voulons simplement dire à quelqu'un, si tu ne connais pas Jésus, tu n'as pas encore rencontré le Seigneur Jésus, tu n'as pas encore fait la paix avec le Seigneur Jésus, tu es tourmenté, tu peux venir en ces lieux. Tu es tourmenté, tu cherches une solution, tu te sens seul, tu peux venir en ces lieux, n'est-ce pas, pour que nous puissions expérimenter le Seigneur Jésus. Dieu nous a fait la grâce d'avoir une croissance surnaturelle. Nous voulons le bénir, nous voulons lui rendre toute la gloire, cette croissance surnaturelle. Nous bénissons son nom, nous lui rendons toute la gloire. Comme je l'ai dit tantôt, nous voulons saluer les pères, ceux qui nous ont vraiment dévancés dans la prédication de l'évangile de Jésus. Que Dieu les bénisse grandement, que Dieu les garde pour tout le travail abattu. Nous croyons dans notre cœur, nous sommes en train de moissonner le travail de quelqu'un d'autre. Que Dieu les bénisse, que Dieu les remplisse, que Dieu, n'est-ce pas, multiplie leurs jours pour que nous puissions bénéficier davantage de leurs conseils. Au nom de Jésus-Christ. Yeah, voilà, à l'instant, c'était la parole du Seigneur. Très, très belle parole, puissante, parole vivante pour l'édification de ton âme. Toi qui as entendu ce message, je veux t'inviter, oui, dis, pour la gloire de Dieu, mais surtout pour le salut de ton âme. Que Dieu te bénisse. Public, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour cette parole? Ouais, ouais. Yeah. C'est ça. Gloire à Dieu. Alors, la part belle ayant été donnée à la musique, nous allons inviter un autre garçon ici qui fait son petit bonhomme de chemin par la grâce de Dieu, et l'aide de Dieu lui permet en tout cas de bien mener les choses. Il a son deuxième album qui est un maxi single. Voilà, quand je vais dire son nom tout de suite, tu me diras, oui, je le connais. Oui, je le connais parce qu'il a été le meilleur de sa génération en 2017. Voilà, et cette année, il est revenu avec un nouvel opus, relevé en onction, relevé en qualité, mais relevé surtout en édification. Moi particulièrement, je l'aime pour son élégance, mais je ne sais pas. Je suis sûr que toi, tu vas l'aimer pour l'inspiration que l'Éternel lui a donnée. Ensemble, ensemble, ensemble. Un tonnerre d'applaudissements pour le chant de l'Éternel. Bruce, Bruce, s'il vous plaît. Il a dit sur ma vie que je vais avancer. Il a dit, j'ai foi que cela arrivera. Il a dit sur ma vie que je vais travailler. Il a dit, et j'ai foi que cela arrivera. Il a dit sur ma vie que je vais voyager. Il a dit, j'ai foi que cela arrivera. Il a dit sur ma vie que je vais prospérer. Oh, oui, j'ai foi que cela arrivera. Il a dit, ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Moi j'ai cru que j'étais orphelin. Moi j'ai cru que j'étais oublié. Oh. Moi j'ai cru que je n'avais personne. Jésus m'a dit non.
je suis là. J'ai cru que tout était bloqué. Moi j'ai cru que j'avais échoué. Oh, longtemps j'ai cru qu'on m'avait mis aux oubliettes. Jésus m'a dit non et je suis là. Il m'a donné la victoire, oh, sur mes ennemis. Les soucis qui autrefois me tracassaient, aujourd'hui ils sont à mes pieds, à mes pieds. Jésus, oh, il n'y a pas son pareil. Jésus te dit non, je suis là. Il est là. Ah, il est là. Il n'y a pas pareil. Pourquoi te lamentes-tu encore, orphelin? Jésus est là. Sèche donc tes larmes. Il est là. Il est là pour toi. Il est là. Mon Jésus est là et tu vas enfanter. Alléluia. Merci de nous faire confiance. Merci de faire confiance à Balade en Éden, car c'est la plateforme qui valorise les arts chrétiens d'ici et d'ailleurs. Et à l'instant, pour l'édification de ton âme, c'était le chantre Bruce. Bruce, que j'aimerais qu'on puisse encore public saluer très fortement. Bruce. Woo! Yeah. Alors, celui que je vais vous annoncer, non. Je vous demandais bien avant de l'annoncer de prendre juste un peu d'eau auprès de vous, parce qu'avec lui, c'est une question de déménagement. Oui, prenez un peu d'eau s'il vous plaît auprès de vous, parce que celui que je vais vous annoncer maintenant, avec lui, c'est une question de déménagement. Je vous prie de recevoir maintenant le chant à saison, le déménageur à saison. Là, Jésus peut te donner. Te donner les miracles que tu cherches. Jésus peut te donner. Te donner. Sarah
Oui, il nous a fait déménager et tout ça pour la gloire de Dieu. Voilà. Alors, téléspectateurs, si vous venez d'arriver, permettez-moi de vous dire que vous suivez Balade en Éden, la plateforme qui valorise les arts chrétiens d'ici et d'ailleurs. Voilà. Et aujourd'hui, la communauté qui nous reçoit, c'est tout simplement l'église First Community de Yopougon. Est-ce que First Community peut s'ovationner? Ouh! Yeah! Voilà. Merci public, merci public. Alors très chers téléspectateurs et charmant public, je vais vous faire venir ici une dame. Oui, elle a été éprouvée, elle a même perdu son époux dans cette épreuve. Mais notre Dieu qui relève la boue du fumier, l'indigent pour lui donner une place stratégique
Notre Dieu qui a dit qu'il est le père de l'orphelin, le mari de la veuve, a su lui donner de la consolation. Et aujourd'hui, elle le célèbre, elle le magnifie pour lui dire combien il a été bon à son égard. Je vous prie de recevoir maintenant, maman, que dis-je? Chantre. Onésime! Onésime! Et très cher public, est-ce que tu peux faire un triomphe d'ovation pour Onésime? Voilà. Que le nom du Seigneur soit béni. Téléspectateurs, à la suite de cette belle prestation de Onésime, nous allons partir pour notre deuxième rubrique. Et celle-là, désormais, elle est inscrite dans vos mœurs parce qu'elle vous donne de célébrer le Seigneur. Elle vous donne de le magnifier. C'est tout simplement la louange en Éden. Alléluia. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. On va louer Dieu. Oh yes. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Jésus m'a libéré. Il m'a libéré.
gloire de Dieu. Ne regarde pas ton voisin. A tout le monde danse. Kata danse. Kata danse. C'est la danse. C'est la danse. Non, maman. Kata danse. C'est la danse. Kata danse. En Éden, oui, avec le charmant public de l'église First Community. Woo! Yeah, voilà, c'est ça la raison de notre existence, célébrer notre Dieu. Voici le ministère auquel nous a appelé, lui rendre la gloire en tout temps, en tout lieu et en toute circonstance. Voilà. Vous suivez Balade en Éden, la plateforme qui valorise les arts chrétiens d'ici et d'ailleurs. Et si vous venez d'arriver, permettez-moi de vous dire que vous faites bien de vous installer. Si vous souhaitez aussi recevoir cette émission, voilà, c'est pas compliqué. Les numéros défilent au bas de votre petit écran. Il vous suffira simplement de les composer. Et nous, on sera très heureux, comme d'habitude, de vous recevoir. Et ensemble, de passer de bons moments, dont la présence du Seigneur surtout. Que Dieu vous bénisse. Public. On peut saluer cela. Voilà. Yeah. Aha. Alors, voilà. Téléspectateurs, nous vous tenons en haleine. Nous n'avons pas fini. Tout au contraire, le meilleur reste à venir. Et le Seigneur nous dit, c'est la fin de toutes choses qui vaut mieux que son commencement. Alors, tu bouges, tu auras tout raté. Parce que maintenant, le garçon que je vais t'appeler, il est bon. Il est pétri de talent. Il est doux dans son attitude. Et il a son deuxième album surtout. Et cet album-là a un slogan. C'est qu'il dit tout simplement, Choco Choco, Jésus va te bénir. Je te prie de recevoir Cheikh Omar. Cheikh Omar. Le Dieu que je prie, il n'est pas limité. Tiens son nom que Bartimée a eu la vue. Yahweh que je loue, il n'a pas de fin. Oh, il est lui-même la fin. En cette année, année de bonté, année de gaieté, année de victoire, je souhaite que tu prospères à tous égards. Et cela, au nom de Jésus. Choco Choco, Jésus va bénir ta vie. Oh, Jésus va bénir Choco, ta vie. Choco Choco, oh oh, il va te relever. Oh, Jésus va bénir ta vie. C'est plus la peine de te lamenter. Choco Choco, Jésus va bénir ta vie. Autour de toi, tes amis évoluent. Tes frères sont prospères, tes soeurs se marient. Tu te poses la question de savoir ce que tu as fait à Dieu. Et tout ça te fait perdre la foi. Le temps de Dieu n'est pas le temps de Dieu.
n'est pas celui des humains. Job a souffert, il a perdu ses enfants, il a perdu son bétail, il a perdu ses biens. Mais en aucun cas, Job a perdu la foi. La main de l'Éternel qui était toujours sur sa vie, c'est cette main qu'il a renouvelée, qu'il a régénérée, qu'il a positionnée. C'est cette main qui va bénir ta vie. C'est... Choco, choco, Jésus va bénir ta vie. Oh, Jésus va bénir. Choco, choco, oh, oh, il va te bénir. Oh, Jésus va bénir. Choco, choco, Jésus va bénir ta vie. Oh, Jésus va bénir. Choco, choco, oh, 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 il va te bénir. Oh, Jésus va bénir ta vie. Comment, ami du pays, tu feras encore et encore. Années de mariage, 10 années de mariage, 15 ans de mariage et tu n'as toujours pas enfanté. Désespéré, l'amertume au cœur, et tu penses que tout est fini pour toi. Mais regarde Sarah, qui était bien âgée, dans sa vieillesse, elle n'avait plus d'espoir. Dans l'Éternel, il est apparu. Si l'Éternel a donné le sourire à Sarah, si l'Éternel a été fidèle à Anne, ce n'est pas toi qui vas demeurer misérable. En cette année, tu verras ton miracle. Choco, choco, Jésus va bénir ta vie. Oh, Jésus va bénir ta vie. Choco, choco, oh, oh, il va te lever. Oh, Jésus va bénir ta vie. C'est plus la peine de te soucier. Oh, Jésus va bénir ta vie. Choco, choco, Jésus va bénir ta vie. Oh, Jésus va bénir ta vie. Choco, choco, Yahweh va bénir ta vie. Oh, Jésus va bénir ta vie. Adonai va te relever. Oh, Jésus va bénir ta vie. Oh, il va sécher tes larmes. Oh, Jésus va bénir ta vie. Choco, choco, Jésus va bénir ta vie. Oh, Jésus va bénir ta vie. Hey. Voilà, je vous sens chaud, je vous sens très en mouvement, mais permettez-moi de vous dire que l'impératif maintenant, c'est les arts d'Éden, les arts d'Éden. Il ne m'a jamais déçu un jour. Il ne m'a jamais déçu un jour. Depuis que je suis venu dans sa maison, il ne m'a jamais déçu un jour. Shalom à vous, bien-aimés en Christ. Que Dieu vous bénisse. Moi, c'est Marie-Yenis Kadio, coiffeuse professionnelle. Depuis l'âge, depuis toute petite, je peux dire que c'est un don de la coiffure. Et depuis toute petite, j'ai commencé à l'âge de 9 ans à Sikinsi. En 94-95, j'étais à l'école et à l'école, je travaillais. Je travaillais, j'étais bien à l'école, bien courageuse aussi à l'école. Mais Dieu me donnait la grâce et l'esprit de créativité de pouvoir toujours tresser des gens. À l'âge de 9 ans, je tressais à l'école. Les heures, les récréations, je tressais à l'école. C'est comme ça que nous sommes arrivés à Abidjan. Quand je suis arrivée à Abidjan, j'étais au Toit Rouge à la BAE. J'étais là-bas avec ma grande sœur. Je vendais pour elle. Mais pendant que je vendais pour elle, je tressais toujours.
Et pendant que je tressais, j'ai dit que j'allais me perfectionner dans la coiffure. Et je suis allée voir une femme au marché de Lubafrique. Et j'ai commencé à travailler avec elle. Toujours dans le but d'apprentissage dans la coiffure. Et j'ai fait 3 mois avec elle. Je vous assure, mes frères et sœurs, en 3 mois, j'ai commencé à coiffer. Tellement que c'était le don même de Dieu même qui était en moi. J'ai commencé à coiffer, mais j'ai commencé à dépasser même mes patronnes qui étaient dans le salon. Et j'ai commencé à coiffer. C'est comme ça, j'ai commencé à travailler un peu, un peu. J'ai mes sœurs. Une même a eu le BTS. Elle est partie à l'école, elle arrivait, elle a eu le BTS. Et elle m'a dit que le métier que tu fais, vraiment, le métier que tu fais là, je vois que tu t'en sors dedans. Et Dieu même a mis son don même en toi. Mais je ne veux pas que tu travailles pour des personnes. Viens, on va travailler ensemble à Lubafrique. Et on a travaillé à Lubafrique. Il y avait le maître Alain Chapeau qui est décédé maintenant. Vraiment, on lui a parlé de moi. Et il a dit que mon travail que je fais là, le don que Dieu a mis en moi, ce n'est pas de tresser au marché qui me voit travailler dans les salons, que ce n'est pas la peine, mais de faire des concours. Et pendant ces concours-là, j'aurai des cadeaux, des trucs. Il va voir comment il va m'aider pour m'ouvrir un salon. Et on a notre présidente de coiffeuse à Yopougon ici, qui est Madame Danielle Cabra. C'est elle qui m'a dit, ma fille, je préfère que tu sortes de là. Et avant même de sortir du marché, je vous assure, j'ai participé au concours Doigts Magiques en Côte d'Ivoire. Et j'ai été première à Yopougon. Dieu m'a fait la grâce encore. Je suis venue m'ouvrir un petit coin et je suis restée ici que vous voyez, ce salon que vous voyez. Donc c'est pour dire un peu à tous mes frères, mes soeurs en Christ, en tout cas à tout le monde entier, tous ceux qui m'entendent, tous ceux qui vont m'écouter aujourd'hui, c'est pour dire que ce métier-là nourrit son homme. J'aimais ce métier parce qu'avec ce métier, on est propre. Maintenant, je dis encore que je suis spécialisée dans beaucoup de choses. Et quand je vous dis beaucoup de choses, c'est ce don que Dieu a mis en moi. Toujours je parle, je mets un peu Dieu. Pourquoi? Parce que dans mes songes, je pense que c'est Dieu même qui me montre ces choses-là. Je peux dormir et puis, en même temps, un coup, Dieu, il y a une voix qui peut me réveiller pour me dire, voilà une coiffure, voilà des habillements, voilà des trucs que tu dois reproduire. Et quand je prends, ça passe. Donc, je peux dire encore que c'est Dieu. J'habille, je coiffe les mariés. Je coiffe les mariés, je fais le make-up, le maquillage make-up. J'habille en traditionnel. Tout ce qui me tape à l'œil, je prends pour habiller. Par exemple, je peux prendre le cacao, je peux prendre les cotonnettes, je peux prendre les bonbons, je peux prendre le chewing-gum, je peux prendre les feuilles de cocotier. Je prends tout. Bûchette d'allumettes. En tout cas, j'utilise tout. Les salles de décoration. Salles de décoration. Je lance en même temps un appel à tout le monde. Si vous avez une église, quel que soit là où vous êtes, vous pouvez payer juste le transport. Maintenant, juste le transport avec la décoration que vous voulez, moi, ma main d'œuvre, c'est gratuit. Parce que c'est Dieu qui m'a donné ce don-là. C'est Dieu qui a mis ce talent en moi. Donc, pour toute église, je fais la décoration gratuitement. Tous ceux aussi qui veulent exercer aussi ce métier de coiffure, qui veulent apprendre, je suis là. Que Dieu vous bénisse, famille. Shalom à vous. Ovation pour les arts d'Eden, s'il vous plaît. Voilà. À l'instant, les arts d'Eden, la plateforme qui est dédiée, consacrée à tous nos artisans. Et si vous êtes de ce registre, l'opportunité vous est donnée de vous faire valoir. Appelez simplement, le numéro est là, au bas de vos petits écrans. Appelez et on viendra faire l'enregistrement chez vous. La seule condition,
c'est avoir Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur personnel. Voilà. Merci. Alors, téléspectateurs et très cher public, nous sommes arrivés au point final de cette belle émission que nous avons eu du plaisir à réaliser ici dans cette assemblée. Voilà, First Community. Mais là, je ne vous dirai pas au revoir sans toutefois égrener le chapelet de remerciements, remerciements à l'endroit de toute l'équipe qui a travaillé à réaliser l'émission d'aujourd'hui. Je veux dire merci à Franck Guiraud. Oui, merci Guiraud pour tout ce que tu as fait. Merci à Adams qui a assuré. Oui, merci à la post-prod gérée tous les jours par Kevin Sahiri. Oui, il n'aime pas trop ça. Il préfère que je lui dise Kevin. Alors, Kevin Sahiri. C'est bon, champion? T'es content? Ok. Alors, juste à côté. Là, qui a été l'affaire de la martiale, comme d'habitude. Ah ouais, tu as remarqué ça. Oui, j'ai compris. Je vais dire son nom. C'est mon aide de camp. Il est constamment avec moi. Et lui, c'est Tapé Williams. J'aimerais lui dire merci pour tout ce qu'il a fait. Mais le maestro qui a géré avec Maestria aujourd'hui, lui, c'est tout simplement Sam Hitman. Et je veux aussi dire rapidement à nos assistantes, voilà, elles ont bossé aujourd'hui avec nous. Elle, c'est Loukou Odette. Et l'autre, c'est Bailly Carole. Merci à vous, équipe de réalisation. Que Dieu vous bénisse. Hein? Voilà, alors, téléspectateurs, d'ici là, portez-vous bien. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous, c'est Balade en Éden, la plateforme qui valorise les arts chrétiens d'ici et d'ailleurs. Je m'en vais et je vous laisse avec le chant de l'éternel. Edson Nyampo! Edson Nyampo! N'y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'éternel? El Shaddai, Dieu Tout-Puissant, tu as ouvert les yeux de Bartimée, tu as relevé la fille de Jairus. Aujourd'hui c'est mon tour, Lagos, viens me sauver. Oh. Aujourd'hui c'est mon tour là, viens me sauver, viens là go. Ikenya sipe chichela, eh. Aujourd'hui c'est mon tour. Cette année c'est mon tour. Ikenya sipe chichela, eh. Oh, yeah. Aujourd'hui c'est mon tour. Dieu de miracle tu es, Dieu tout puissant tu es. Mon Dieu, sois béni. Quand tu dis la chose arrive, ce qui sort de ta bouche, ça remplit toujours. Oh Dieu, tout est possible. Manu oye, Olio Lagon. Si Péa mite mienja, Olio Lagon. Jésus n'a pas encore fini de forger ta vie. N'arrête pas sa main, pas des murmures. C'est lui qui sauve, mets ta foi en lui. Et par lui, tu surmonteras tous les problèmes. Mon Dieu, yeah. Il gagne si père, tu tiens misère. C'est quand toi ou quoi parmi. Aujourd'hui c'est mon tour. Ikenya sipe chichela, eh. Aujourd'hui c'est mon tour. Oh, oh, oh. Ikenya sipe chichela, eh. Aujourd'hui c'est mon tour. Je suis le seul dans ma famille qui est converti. J'ai tout laissé pour te servir. Mes amis se moquent de moi. J'en joue sans relâche. Et là, go, je veux voir ta gloire. Me voici dans ta présence. Je n'irai pas sans mon miracle. Et là, go, je veux voir ta gloire.
promesse. Le problème que tu vis, oh, regarde à Jésus. Donne le tout ton cœur, car Jésus est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant. Quelle est la situation que tu traverses dans ton foyer? La maladie qui te suit depuis des années. Pendant que tu m'écoutes, reçois ton miracle, car Jésus est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant, ma vie est sécurisée.